Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo, un tutoriel sur une superbe chanson de Tom Waits qui s'appelle Drunk on the Moon, que nous allons jouer au piano. C'est une sorte de blues en do qui est très sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va commencer par les 4 premières mesures qui sont une montée qui démarre sur un Do. Donc Do, Do dièse diminué, donc on bouge que finalement la basse. À la main droite, on fait que monter pour l'instant en demi-ton. Ré mineur. Ensuite, à la basse, mi bémol et comme accord si. Ensuite, ré mineur. On continue à monter, fa. Et alors là, petit écart, on va sur le sol dièse, mais comme accord, on va jouer un mi. Et puis, on monte encore d'un demi-ton et on arrive sur le La mineur. Donc. Si on fait avec la mélodie... Suite, je vais faire juste les accords Fa, Fa7. Là, on va faire comme si on partait sur un 2-5-1. 2-5-1 en Do, c'est Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7. Ici, on le part en Mi mineur 7. Et on va en La 7. Résoudre en Ré majeur 7, mais par contre on va faire un Ré mineur 7. Donc si je reviens sur Mi mineur 7, La 7, à la place on va faire un D mineur 7. Et du coup depuis là on va faire aussi 2-5. Donc Ré mineur 7, Sol 7. Et cette fois-ci, on va bien faire le 5, le 1 aussi. Donc tomber sur le Do majeur 7. Et ce Do majeur 7, on va le résoudre en... Enfin, on le résoudre, on va descendre en Do 7. Donc si je refais les accords... la mélodie. troisième partie, après le Do septième, on va aller sur le Si, Si diminué. Et là aussi on va faire 2, 5, 1 depuis Si diminué. Mais c'est un 2, 5, 1 mineur cette fois. Donc, le 2, 5, 1 depuis Si, depuis le Si, si on est en mineur, ce sera Si demi diminué, Mi, majeur 7 et La mineur 7. C'est exactement ces trois accords qu'on a là. Là, on sera sur ce renversement là. Et puis, l'accord suivant, soit on peut le faire en Ré, soit on fait un Ré sur Fa dièse, ce que je trouve plus sympa. Donc si on est depuis là, depuis le Si demi diminué, à la place de faire les deux vont. Ensuite, on passe au Fa dièse majeur 7, Fa majeur 7, pardon. Puis après, on revient de nouveau à un 2, 5, un 2, 5, depuis Mi, Mi mineur 7, La 7. Si je refais ces quatre mesures, les trois derniers accords qui sont très, très sympathiques. Donc ces accords, ici on a un Ré 7 avec une 9e, et ceci est une 11e augmentée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11e. C'est la mélodie qui fait ça. Ensuite, Sol, et puis là, magnifique accord. Alors ici, c'est comme si on faisait un Do sur une basse de Si bémol avec encore un Sol dièse. Ici la 7e. Et on reprend. Et depuis le Sol, eh ben, on recommence sur le Do. Donc ici il n'y a que 3 mesures à la place de 4, ce qui fait que en fait on a fait 4 fois 3 mesures plus 3 mesures, donc on est à 15 mesures au lieu de 16, et du coup c'est ce qui crée un espèce de roulement dans ce morceau. Donc si je refais juste la fin, merci de m'avoir suivi et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis à me dire si vous avez des questions. Je réponds à toutes les questions. Merci, bonne journée, bon dimanche.